Finalement, la police arrive présenter Abigail Jaminal, 35 ans, ligue sous tête, les jambes gardées sous écran là. C'est Figil qui est un petit Jean, vous comprenez? L'ICE cousine, puissant chef gang criminel kidnappé Jaminal Joli alias Yoyon, qui t'a dirigé base 400 Maozo. Abigail Jaminal parle en DCPJ, li confirmé, li avre, oui, li gen contact plusieurs bandits dans Port-au-Prince dans parmi yo, Izo, vous l'avez de Dieu. Et Abigail, qui continue non, Fifi Bel Boss, gèle son boss yon, tout bon vrai dans gang yon. Parce que j'aime lié là, li son moun qui pa prenne pression. DCPJ a posé la question. Pour j'aime connaître l'autre en dans DCPJ, tout bon nom ou allé, Abigail prouve le contraire. Li pa prenne pression, comme li se yon américaine, li poste là, y a posé la question, la répondre. Ma rappelle, ma fois qu'on est, Abigail Jaminal, li je wol intermédiaire. C'est à cause de lui-même, yon, il y a communication avec chef gang l'homme sans joue. Il y a toujours parlé avec Nexayo. Et ensuite, il y a contact Chris là. S'il a appelé Izo avec gang qui n'a pas Genève. On a entendu Abigail parce qu'il est passé là. Et en dehors de CPJ, il a présenté la coordination presse avec la relation publique à la police. Yo arrivé présenté Abigail Jaminal, âgé de 35 ans, qui gagne sinon jouet li ou bien non voyant qui c'est Fifi Bel Boss, li parle et li avoué oui, li gen contact avec plusieurs bandits dans Port-au-Prince. Tant police nationale là lancé une série de batailles dans la région métropolitaine Port-au-Prince là avec dans divers autres départements. Nous avons mené opération pour traquer et mettre en bas code tout individu à examen et puis pour arriver à démanteler les foyers gang. En même temps, PNH là continue à mener enquête pour arriver à arrêter tout le monde qui a une connexion avec gang. Tant que c'est là qu'a fourni groupe gang aux armes et munitions. Dans quelle stratégie ou commandement la police l'a mis en place, dispositif civilisation renforcé dans diverses zones stratégiques. Tant que dans la ligne frontalière à l'aéroport. Dans l'objectif pour arrêter tout individu qui pensait qu'il a quitté le pays après avoir fait un acte malhonnête. DCPJ a arrêté Jaminal Abigail, alias Fifi Bel Boss, dans l'aéroport de Saint-Louverture. Abigail, 35 l'année, joint en arrestation li, après plusieurs mois, service analyse et renseignement judiciaire a mis contrôle sur li pour implication à connexion de gagner avec plusieurs chefs gang. Donc, Chéri Chriswa, alias Chrisla, chef gang Tibois, Renel Destina, alias Tilapli, chef gang Granvin, et Wilson Joseph, alias Namor Sanjou, chef gang 400 Maozo. Jusqu'à maintenant, et comment vous faites là? Je voyage lundi, c'est 13. Pendant que je suis passé dans l'aéroport là, je suis checké et je suis dans le gate 9 là. Dernier check pour me faire, il y a un gros policier qui paraît. Il prend un passeport, il dit prêtez le passeport, madame Suvli, il dit quelques questions, il va le poser. Excusez-moi, c'est américaine. Oui. D'origine? Okay. Abigail, c'est cousine Jaminal Joli, alias Yoyon, ancien chef gang 400 Maozo. Kidnapping, viol, détention illégale ZAM, c'est quelques parmi accusations qui pesaient sous dos Yoyon qui extrait à l'États-Unis en date 3 mai 2022. Une responsabilité Abigail, alias Fifi Bel Boss, gagné dans gang, c'est établi communication entre Yoyon et la mort sans jour. Les développer tout bon genre rapport avec divers autres chefs gang. Numéro numéro chef, la saline. Moment arrestation, la police confisque trois téléphones et t'es gagné en main. Abigail Jaminal, ses cousines tout, Maxouni Jaminal, DCPJ t'est arrêté 26 avril 2022 dans zone Malpasse. Dans le moment où elle tenté d'entrer dans la République Dominicaine, Maxouni Jaminal, qui lui-même tout, extradé aux États-Unis dans la date 16 juillet 2022. Publication dans le kidnapping qui était fait sous missionnaire américain dans la date 16 octobre 2021. Maxouni est pour vous. Jaminal, Jaminal. Maxoni, c'est lui. Maxoni, ça? Je ne sais pas. Vous connaissez arrêté, mais pour qui ça a été arrêté, Maxoni? Jusqu'à maintenant, je ne sais pas si ça a arrêté, Maxoni. Si l'information PNH a disposé, la justice américaine a cherché. Nous attendons et nous regardons Abigail Jaminal, cousine, ancien chef gang Jaminal Joli alias Yoyon,
qui t'a répondu question policier de CPJ yo. Et reportage ça nous regarder là c'est section coordination presse et relations publiques police nationale à travers Allo la police qui réalisait reportage ici là qui présentait femme ça. Mais problème qui avec reportage ça yo il doit coûte si Abigail a parlé qui t'a parlé pour 4 ans de ce qu'elle dit. Moi même là j'ai des paroles Abigail dit moi obligé regarder vidéo plusieurs fois pour me comprendre et puis tendre ça qu'elle dit. Abigail dit comme ça, oh oui. L'intérieur dans l'aéroport, ils font premier check, un deuxième check. C'est après lui un groupe policier vient côté, ils m'ont dit madame, bon passeport et puis suivez-nous, nous allons poser des trois questions. Mes amis, tendez oui. Abigail sorti dans pays États-Unis, n'est-ce pas? Oui. Abigail sorti dans pays États-Unis, il est entré Haïti. Tendez oui, ouais qui va qu'on fait? États-Unis, Haïti. Est-ce que dans tout check qui t'a fait dans pays États-Unis, il va te connaître si Abigail c'est famille puissant chef gang criminel kidnappé Jeminal Joli alias Yoyo. Hein, Kembel mo ça oui, Kembel rale kon makil. Il sorti États-Unis. Et là il t'a vive. L'entrée bien facile. Notez ça oui. Et ensuite Abigail c'est cousine yon nèg qui c'est on est qui relé Maxoni Jeminal. Tendez oui, moi c'est cousin ou bien frère, on va comme ça. Mais c'était une arrestation. Yon jou kite 26 avril 2022. Maxoni c'est nèg sa gars sur écran là qui t'a tenté pour entrer en République Dominicaine. Yo arrêté sous zone Malpasse là. Et ensuite, après la police fin arrêté Maxoni Jeminal, il vient arriver extradé tout ça dans date qui était 16 juillet 2022, yo voyel dans pays États-Unis. Puisque il était complice dans affaire kidnapping nèg 400 Marozo mettait avec nèg Vite Lomio, yo était fait sous plusieurs missionnaires américains. Saison pour laquelle yo était extradé tout ça. Kounya la, si ou arrête Maxoni Jeminal, ou gen Yoyo de son vrai nom Jeminal Joli, tout moun sa ou nomme pays États-Unis, yon nomme m'degazi la justice américaine. Ma konne sa si sa m'kon wè nan film yon se menti. Le ou moun se yon puissant bandi, la justice américaine se non sal moute nan film yon, yon te kontrol tout famille en net. En façon, pour qu'on ait qui s'est réglé, qui est-ce qui proche lui. Moi, je me pose la question, qui j'en fait Abigail Jeminal, alias Fifi Belbos, entre sorti dans le pays États-Unis, bien facile. Ici, qui est bien facile. Je me rappelle, DCPJ joue Abigail Jeminal avec trois téléphones. Et ce téléphone, ça joue contact. Chris là. Yo j'ai un contact l'homme sans jour. Yo j'ai un contact nèg ça qui c'est Iso village de Dieu. Est-ce que nous comprenons ça m'a dit là? Mais question poser qui j'en fait Abigail passer libre et libre dans pays États-Unis pour entrer Haïti. Yo pas été arrêté depuis États-Unis, c'est l'arrivée à Haïti. Yo arrêté quand elle a quitté Haïti pour aller. C'est pour me dire que ça fait pays États-Unis depuis son on vieux bagaille. Yo moun qui sont danger. Yo terroriste, yo gang criminel kidnappé la facile ka sorti dans pays États-Unis pour rentrer à Haïti. Tout zamoué nan men nèg Iso. L'homme sans jour, Vite l'homme, barbecue, Chris là, ti l'appli. Tout zam sa yo kit kodo sorti, yo sorti nan pays États-Unis, yo passé par République Dominicaine, yo entré Haïti. Est-ce que vous comprenez ça m'a dit là? Majorité gang
qui quitte le pays à côté de aller dans le pays États-Unis, c'est même les gens qui vivent en Floride, qui vivent dans Indianapolis, ils achètent des balles avec des armes, voyez les bandits dans le pays d'Haïti. Leur flash, quand ils passent, ils passent par la République dominicaine, et puis ils entrent là, dans le pays d'Haïti. C'est pour nous dire, nous, ça fait pays États-Unis, ça, les gens qui ont pile, les affaires insécurité dans le pays d'Haïti. On fait comme ça, qui joue l'intermédiaire, c'est lui-même qui mettait en contact Yon avec Iso, Chris là, avec plusieurs chefs gang qui n'ont pas Port-au-Prince. C'est lui-même qui mettait en contact avec l'homme sans jour. Qui j'en fait quitter les États-Unis pour entrer dans le pays d'Haïti, pour la porter, mais qui ça yon dit, mais qui l'autre yon passé dans la base là, mais qui est yon yon baye droit pour kidnapper. Joué yon 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 là. Dans le pays États-Unis, toujours dirigé par ça, 400 Maozo. Oh oui, c'est grâce avec Abigail Germinal qui a l'âge 35 ans. C'est pas avec lui-même qui fait que il toujours passé l'ordre en base 400 Maozo. Claire. Mais c'est que base 400 Maozo ça, son base famille. Oh oui, base 400 Maozo, son base famille. 400 Maozo, gen yon, gen l'homme sans jour qui sont bon nèg liés pour yon, gen et Maxoni Germinal qui était dans base là, qui c'est famille, mais Fifi Belle boss encore, qui c'est boss base là, qui joue un intermédiaire pour gang là, qui c'est famille, et gen pilote nèg encore en dans base là, qui c'est famille yon. Ma praplo, Gaspiay, si Timaga li pa gete me domine jemise, avotande, oh oui, c'est l'homme sans jour qui chef baza a menti. C'est chef gang Gaspiay qui tape tête li. Parce que, de près, Gaspiay met pilate, li va prendre l'ordre dans l'homme sans jour. C'est dans yon, li toujours prend l'ordre. Parce que li dit yon qui chef li. L'homme sans jour, c'est un simple soldat qui est lié tout, mais Javel. Il va prendre l'ordre dans mes l'homme sans jour. C'est pour me dire, nous, c'est pour le département d'État américain ou bien la justice américaine mettre une surveillance taille sous la famille Germinal. La famille Germinal, Mounsayo, pas la supposé libre de pays. Même téléphone, yo. T'as si posé sous surveillance. Tout ça m'a dit, j'ai me déplacé, faut que j'ai GPS sous yo. Moun sont pas supposé libre dans pays États-Unis. Ouais, dans notre tellement intelligent, li naturalisé américaine, on pas supposé qui couverture américaine. Et voler et gang yo. Et bien là, sous contrôle DCPJ. Et dans le jour où vous êtes là, vous pouvez FBI venir là ou bien DIA pour traverser avec elle. Parce que vous êtes américain qui nous nous là. Vous ou pas, c'est un haïtien américain qui nous nous. Il faut que l'américain vienne de elle pour poser la question. Nous ne pouvons pas faire l'américain qui nous nous. Clé. Nous venons de là, nous venons présenter. Après ça, vous allez là, FBI ou bien DIA, à venir avec un avion. Vous prenez l'américain, vous allez à l'avel. Oh, il a mis dans la prison, il a mis le même côté avec Yon, comme Getagen et Germinal Joli alias Yon, Getagen Maxoni Germinal qui c'est frère Abigail ou bien cousin, Gen Abigail Germinal LA, il a mis tout seul côté. Quelle famille a grandi dans la prison? Malé, rendez-vous dans la prochaine émission pour nous ton l'autre dossier Pablo Chanel ça, c'est Production 69. Je vous demande pour like, abonner, peser sur la notification, retirer sur Pesta et sur tout pour l'aide dans la vidéo. Ou pas la nuit la plus longue de notre histoire. Bagayo était vraiment, vraiment, vraiment difficile pour nous dans la nuit là. Difficile, nous avons un peu de monde là qui est dans tout l'area, dans Ouchavan là. Je m'assure Vincent, tout, il y a un peu de monde. Ça passe même. Mon cher, femme du bien, voir ça qu'a parlé là, c'est assez légitime pour le parler. Non, non, moun savant pistache. Parce que, avant nous te prendre une série d'initiatives,
nous te réunis avec la population pour nous demander qui ça n'a fait pour nous résoudre le problème ça. Nous te ouais gagné 4 possibilités pour nous capable résoudre. Ce soir, bandits ont décidé volontairement de retourner la caillou. Deuxièmement, nous sommes capables à négocier avec eux. Troisièmement, c'est faire résistance. Quatrièmement, c'est forcer l'État par responsabilité. Les noms t'es passé au peigne fin. Première possibilité, qui c'est tenir volontairement la caillou, n'est pas possible, nous pas attendre ça. Deuxième possibilité, qui c'est négocier avec eux. Toute population te dit, ils pas à négocier avec bandi. Donc, ils te kembe. Troisième possibilité, qui c'est faire résistance. Donc, nous te dit tout. Faire résistance pour combien de temps? N'a pas faire résistance ça. Nous dit d'être nous, étant donné que nous payons l'État taxe nous, il faut que nous forcer l'État par responsabilité. Étant donné que l'État, disons la loi, libère nous un seul moyen pour nous manifester mécontentement nous face à une situation qui c'est manifestation, faire des marches. C'est comme ça, nous organisons une marche le 12 juillet qui va porter fruit. L'État pas attendait nous. C'est ça que fait dernièrement, soit lundi dernier, nous t'ai organisé une autre marche encore après que nous t'ai perdu un frère, un voisin, un ami qui c'est Eddy Doriska dans Kafoufeuille. Ça t'ai soulevé colère population et puis spontanément nous t'ai organisé une manifestation que tout le monde est capable boire qui est la rue Port-au-Prince. Ça que fait me parler de ça. Je ne jodi a gien en pile monde qui capable vle parler dans nos Kafoufeuille. Songez-moi de dire non au début que avant moi-même moi t'ai prend responsabilité ça pour me parler non mon Kafoufeuille nous t'ai fait réunion avec population pour nous une certaine légitimité. Gade mon qui parler ce sont des citoyens de la zone. Gien monde qui très zélé dans ça qui passé a voulu protéger, il veut bah écoute mais parfois le monde qui gagne et obéit politique que nous pas connaît. Donc m'a dit tout le monde Captain Dem, dans Kafoufeuille et autres. Jusqu'à présent, peuple Kafoufeuille, pour que j'aime rejeter par rapport à réunion, rencontre que nous avons fait ensemble avec eux, puis on dit que je ne peux pas représenter encore. Les gens qui puis en face. Jusqu'à présent, nous, les gens qui ont marché ensemble avec nous. C'est ça que fait, nous avons dit, opinion publique là, depuis un mouvement à faire dans Kafoufeuille, une activité à faire dans Kafoufeuille, concernant le dossier ça, c'est voix pour attendre. C'est voix qui est plus important parce que c'est moi-même qui te prends responsabilité ça. Non. L'autre citoyen est capable de parler à statut résident de la zone, à statut de citoyen de Kafoufeuille. Mais jusqu'à présent, c'est moi-même qui gagne responsabilité. Donc, les citoyens, les résidents de Kafoufeuille parler, s'ils disent un bagaille qui dérangeait, donc, il est capable d'assumer la responsabilité. Mais jusqu'à présent, mon sal pas capable de parler de c'est moi-même, Jean-Edzer, qui gagne responsabilité ça. Mon cher guerrier, pour nous retourner sur la situation qui a passé dans le là, c'est un qui vraiment grave. Ferdinand saute souligne pour nous que dernièrement, il te dit, c'est la rue qui sépare nous avec groupe armé. Là, nous dit la rue, c'est pas parce que c'est un gros la rue. Son bagage de 7 à 8 mètres. Jeudi, monsieur est arrivé à traverser. Gouabri qui était très 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 important pour nous. C'est la donne dans Kaisa que John que Blondie Ferdinand il fait. Abri ça, monsieur prend. C'est-à-dire monsieur vient dominer le commissariat. Il domine maintenant. Côté il est là actuellement, il y a des zam dans main, il y a des capacités pour yo dominer toute ma Gramboise. Et si vous avancez, puis devant, vous prenez terrain, ça y est, monsieur, c'est fini pour la capitale. Maintenant, ce n'est plus une question de Kafoufeuille. C'est une question de Port-au-Prince. Parce que depuis vous descendez, vous prenez ça y est, vous avez une capacité, vous avez une arme de gros calibre qui est capable de frapper Digicel, qui est capable de frapper Natcom et la trier sans problème. Mes amis, situation est vraiment alarmante. C'est ça que fait. Encore une fois, nous avons demandé à l'État pour la responsabilité. Madame la ministre, nous trouvons vraiment irresponsable. Comment on fait dire aux populations pour défendre les assalgés?
face à une série de messieurs qui armés avec zam grand calibre mais ou dit nous pour nous prendre bouteille pour nous prendre roche. Donc là nous pas capable bon qu'est-ce qu'on dit nous fait nous pas obligé prendre les armes pour nia pour nous dire c'est deux groupes gang gagoumé nous pas prendre pièce ça nous pas prendre pièce ça c'est policier dans Kafoufeuille qui gagne droit qui mes armes jusqu'à présent c'est ça policier Kafoufeuille yo dit en ken civil pas gagne droit qui mes armes parce que nous pas prendre pièce ça nous pas veut ça nous pas veut prendre pièce ça reler le triangle de Capman journée aujourd'hui à monde qui sauve là demain si Dieu veut c'est des cas oppresseurs là c'est ça que fait la demande à l'état encore une fois pas responsabilité et massacre qui fait en l'air Kafoufeuille là hier soir il y a plus que 20 monde qui perdu la vie yo il y a plus que 20 monde qui perdu la vie yo il y a un pile blessé peut-être il y a monde qui pas comprendre ça qui a passé en l'air là gon vidéo qui très viral sur les réseaux sociaux côté nous il y a des monde qui mouri sous cabane tout ça c'est en vérité que lié ça nous est monsieur au fin coucher mesdames yo yo tué yo n'a dit mes amis nous même qui citoyens de la capitale comment on a senti nos matins là après tout coup de balle nous fin senti dans nuit là nous fin tendre dans nuit là pour n'a prendre chemin travail pour venir travailler dans bureau l'état yo à quelle fin ce matin n'a venir travailler dans bureau l'état yo sans nous pas sympathiser à ça qui a passé en dedans Kafoufeuille là OK donc ça vient annoncer nos matins exactement matin n'a annoncé que manifestation l'a fait son façon pour te démoraliser nous hier soir qui fait yo ben nous attaque ça manifestation li a fait matin n'a pour prendre force pour nous refrapper dans la rue après tant que Jean Johnny Ferdinand sorti d'aller faut pas se visiter grand chabrakio qui t'a droit dans enterrement matin mais n'a tout profiter dit tout monde qui travaille dans bureau l'état notamment la DGI ce matin nous pas besoin de travailler dans la DGI parce que n'a pas se visiter DGI c'est là nous payer taxes nous pas joindre service. Quel que soit employé DGI qui vient travailler dans DGI, n'a pas considéré comme étant ennemi mon Kafoufeuille. Banque, fermez pour nous s'il vous plaît. Parce que son massacre que nous faites comme ça, nous pas qu'à approuver mes amis. Il n'est pas possible. Je dis à ce Kafoufeuille, 2000 capables de tuer, il est capable de n'importe l'autre zone. C'est nous tous qui pouvons mettre nous ensemble pour nous dire non, nous pas capables encore. Nous pas capables encore, bagaille là, il est trop grave. Encore une fois, ce matin, n'a pas réuni dans Kafoussaï pour nous prendre béton jusqu'à ce que l'État prenne son habitel. Madame la ministre, jeune qui dans Kafoufeuille, yo pas prêt les armes après ça pour nous dire c'est deux gourmands qui ont pour nous dire nous avons raison. Merci. Ok, eh bien, merci un peu, citoyen. Bon, nous avons regardé ce message ça, qui dit moi c'est un policier qui a vécu Kafoufeuille, moi fait partie dans une unité qui là pour mettre l'ordre. Question moins toujours à poser tête moi étant que policier pour qui ça là il y a une manifestation regarder yo imposer nous fait titan avec madame Marc petite nous son question le poser pour qui ça regarder yo gain fougue a débarquer combien bus à camion de l'eau gratté pour nous al porter sécurité bah yon peuple qui a demandé changer condition que a vive pour qui ça regarder yo pas qu'a gain même fougue ça pour monde qui a courir quitter zone yo tant coup tabac Kafoufeuille Matissan Canard etc. et puis monsieur dit puis gros maling là nous pas jamais touché maling là c'est depuis yo quitter bandi prend Kafoufeuille mais qui ça qui va le passer ouais monsieur essayer expliquer là pour un bagage là je dis kidnapping là pral facile pour bandi yo. Deuxièmement, policiers qui n'ont pompier Salomon, DDO, Palais National, Idmo, Cafétéria, CM Pape après tomber dans difficulté pour venir travailler. Troisièmement, policiers qui étaient qu'on a sorti dans zone sud pour aller travailler dans zone métropolitaine non, pral gain plus difficulté pour venir travailler. Quatrièmement, pénitencier national a bien 70% à 80% chance pour yo casser facile. Déjà, faut nous pas oublier gagner 35% policiers nous gagner dans ça qui pas mourir yo déjà quitté pays donc ça c'est un policier qui l'est même essayé lancer SOS ça capable non seulement questionner
regardé dans PNH là qui leur c'est des manifestations on dit venir avec tout moyen nécessaire pour craser manifestation on dit c'est dans la guerre au bralé. Ouais. Ouais, mais pourtant là c'est pour yo capable faire face avec bandio tout le monde après aller quoi yo d'ailleurs par contre depuis qu'il gon opération d'envergure qui menait dernièrement là yo commencé on va village de Dieu donc yo quitté le va jamais dans rien encore et qui t'est commencé par résultat. Oui, qui t'est commencé par résultat. Bon, malgré alors la police toujours présent dans zone ça et ça fait qu'il peut-être un petit gens réduit monsieur yo sous marge de manœuvre yo. Parce que je crois que blindé dans zone portail là qui fait pas qu'à sortir mais pas une opération qui a mené. OK, la police présent mais pas une opération qui mené. Bon, la police a essayé et faire de l'autre mouvement par exemple dans zone Onaville et dans zone Kwadebukea également mais ça pas suffi puisque bandi yo tout partout et il y a bay problème quoi ça qui a passé là dans Cafoufeuille. Tout à l'heure n'a pas recevoir Maître Maniekel mais ben nous allons parler avec Gary Jean-Baptiste SPNH 17. Gary, bonjour. Guerrier, comment nous y est? Ferdinand, moi salue tout staff là et me salue tout policier qui dans Cafoufeuille, toute population Cafoufeuille là et tout policier dans le pays d'Haïti qui a kembé malgré situation difficile. Mm-hmm. Oui, matin, je voulais parler avec nous. Matin, je voulais normalement et comme on te connaît de gagner 2 points, mais nous avons 3e point parce que même de vos messages baou, image mon gars faut faire. Nous étions en contact avec un pile policier qui affecté des CPR et un pile l'autre commissariat, un pile l'autre unité qui t'a dit nos situations difficiles. Gen sa yo qui obligé qui a gen ti moun pitik déplacé à famille yo et puis retourner pour faire résistance là. Non, après appeler SPN 17 sorti en note. Ça gagné plus qu'une semaine. Côté les policiers ont dit nous, yo même qu'a fait résistance en haut, yo pas gen munition. Nous t'ai sorti en note. Et me demander au commandement pour que l'y agit vite, pour te coller, prendre un mesi pour empêcher Cafoufeuille tourner en zone de non-droit, même gens avec tout l'autre côté, nous connaissons déjà. Nous gardons, nous, un rien pas fait. Sinon, ça crive hier, là. Il n'y a pas de privé. Nous avons dit au commandement, c'est une responsabilité, une obligation pour que l'y agit et il doit agir vite. Policiers, population, yo tout, yo pas capable. Gagner un chef police, un gouvernement, un CSPN. Pendant ce temps, l'a demandé moyens pour que lui-même l'y pote coller avec l'autre policier qui l'a déjà yo. Parce que si ce policier ça pas là, nous avons des héros dans la police là pour saluer yo. Parce que si c'est pas policier ça yo, n'a salué mémoire pour toute garçon ça qui tombé dans bataille. Si c'est pas héros ça yo dans Cafoufeuille, Cafoufeuille t'a perdu déjà. Je dis à nous même dans SPNH, n'a dit au commandement agis vite, prends responsabilité. Parce que dans le jour qui est venu, si la situation est empirée, nous-mêmes dans le syndicat, nous sommes obligés de prendre une décision pour que nous-mêmes nous DG, si nous sommes là pour protéger nous, si nous sommes victimes chaque jour, si la population est victime, nous ne sommes pas capables de compter sur vous, eh bien, nous ne sommes pas gagné place là, parce que vous êtes directeur de la police là. Qui ont CSPN ou même c'est au premier monde qui vous dit mais qui ça va passer mais qui ça ou même ou décider parce que population compte sur vous, policiers compte sur vous, famille policiers compte sur vous. Nous saluons tout policier vaillant dans Cafoufeuille qui fait résistance là. Pendant toute la nuit là en communication avec eux, matin on a parlé avec plusieurs, n'a dit courage pour te coller kembe et n'a demandé
au recommandement, agis vite pour ça bagarre la pas plus grave, sinon. Allô? On est en même micro pour me dire, responsable, si nous pas capables de défendre nous, nous placons pas là. Et on a profité guerrier pour que nous parlions sur un dossier qui passé 9 d'août. Son bagage nous estime qui grave lorsque il y a des gens dans l'État qui pensaient qu'ils ont utilisé le syndicat de la police. SPNH, que les policiers ont goumé mettre sous pied, et autorité corrompue, tu as besoin de combattre. Li. Je pense que aujourd'hui, tu es capable de relever dans la table pour négocier sous mise des policiers. Nous recevons un appel dans la soirée, 8 août, côté un membre de l'ONA dit nous. Pour nous venir en réunion. Nous-mêmes dans SPNH, nous disons et nous précisons pour eux, nous ne parlons dans aucune réunion en bas de table. Si vous avez besoin de rencontrer nous, il y a écrit une correspondance pour tout le monde qui connaît, il y a demandé SPNH rencontrer. Ce n'est pas normal aujourd'hui pour que les policiers fassent rentrer dans le programme. Ils disent mais ça va, mais ça rien. Comme avantage, les policiers ont revendiqué. Parce que vous résoudre le problème, non? Vous avez cherché des gens pour vous corrompre, pour vous capable de régler les affaires, yo, pour le problème d'arrêter là. C'est comme si les policiers sont zombies, les policiers n'ont pas de droit. Je vais rappeler les policiers. Yo. SPNH, pas trahir. Je demande des responsables pour vous prendre, presser, prendre toutes les mesures pour vous satisfaire. Revendication policier qui collectait dans ONA police depuis des années, qui gagne droit après, gagne juin déjà, mais une quantité qui gagne 8, 10 mois, 1 an, il n'y a pas de prêt. Et je dis à la nouvelle équipe qui l'a assemblée, pas décidé de continuer avec ONA police. Nous dénonçons et nous disons, ça vous pensez à ne pas passer, nous ne pas participer là-dedans. Si vous avez besoin de rencontrer nous, il y a une correspondance et nous avons dit que toute nation, toute policier, nous allons rencontrer ONA. Et maintenant, nous avons dit que nous avons décidé. Pas oublier, policiers haïtiens, nous-mêmes qui étions là souterrain toujours, nous ne sommes pas en pile. C'est nous-mêmes, je dis, pour faire respecter nous. Nous passons dans une bêtise trop. Et pour nous, plus que 19 millions dépensés, nous pas jamais connaît qui ça a fait. Yo comme projet ça crasé, tout le monde qui est dans projet qui était responsable projet ça a mouri. Yo dit nous, yo fait l'hôpital pour nous. Yo l'hôpital là deux fois. Mais mon passeport l'hôpital ça pas cabaille. Au fait m'a passé une bêtise parce que tout l'hôpital pas recevoir l'en aller. Yo te connait payer 80%, qu'on a c'est 20%. Benameuse qui a un contrat pour gérer urgence avec accident ou bien plein pas balle, je dis à recevoir tout cas policier. Je dis à nous pas contre quitter ou continuer à passer dans la bêtise. Si nous étions là dans le pays, nous, dans le pays, nous, il faut que nous respections les policiers. Nous avons un bon programme, c'est pour faire les policiers dormir. Nous avons un bon programme, c'est pour continuer à passer les policiers dans la bêtise. Laisse nous regarder qui ça que je dis à passer dans le pays. Nous regardons comment ces institutions lui-même a géré, nous dit les temps pour les policiers prendre responsabilité pour dire autorité c'est moun yo gen droit. Comme on comprend aujourd'hui il y a un bon policier qui gen grade yo ba un grade depuis 4 ans 5 ans yo pas jamais payé li. Comme on comprend gen des policiers aujourd'hui qui dans 15e promotion qui dans 16e promotion yo agent 4. Pendant ce temps, il y a un frère nous avec ce nous qui nous dit si la 7e promotion, par contre, c'est la promotion qui est liée, il y a presque inspecteur. Pour inspecter 17e promotion, il y a un droit pour l'inspecteur. Mais 15e avec 14e, non, pas qu'à arrêter comme ça. Il y a un inspecteur divisionnaire qui a touché l'agent 3, qui a touché l'agent 4. Ça veut dire, le recommandement qu'il a, lui,
doit prendre responsabilité s'il décide de gérer l'institution pour nous. Parce que le pape là, pendant ce temps, tout droit policier a vassalisé, policier a mouru pour la santé, policier a pas gagné assurance et réellement, policier a déjà une pension le payer pour lui, il a fait l'entrée dans le Rona, il a dit la balle prêt, mais qu'on y a un policier obligé dans la rue pour la revendiquer. Nous dit que nous-mêmes dans SPNH, nous ne pas entrer dans la combine. Les institutions ont besoin de nous, qui c'est déjà la police qui a besoin de SPNH, qui c'est l'autre institution avec une correspondance. Nous pas dans combine, nous pas dans pique-coller, nous pas bail coup dans dos, nous pas trahir frère nous avec ça nous. La police jodi a, policier haïtien. Calé genou, prend responsabilité nous parce que droit nous violer trop. Nous mourir trop, famille nous mourir en bas genou trop parce que autorité l'état pas assumer responsabilité yo. Jodi a gen pile policier qui gen famille dans la rue à tout. Qui devant et dans Chavan qui au paquet côté bon ben déjà quitté pays qui a quitté pays qui Saint-Domingue qui ont bonne l'autre côté à cause des mêmes situations ça qui sorti tabac Matissant ont bonne l'autre zone les demandé aide dans la police là dans bien social un bureau qui là soi-disant pour bien être policier les à côté ont demandé aide yo dit pas rien gien quelque là dedans yo t'assemblé Yo bail c'est 25 000 gouttes qui recevoir. Ça veut dire, je dis, est-ce que la police a dirigé? Est-ce que le pays a dirigé? D'accord. Je pense que tout le monde connaît, et eh bien tout le monde doit prendre responsabilité, y compris les policiers. D'accord. SPNH dit, nous ne pas blaguer, nous ne pas abandonner les policiers, nous ne pas abandonner la tête, nous abandonner la famille, nous continuer la bataille, même bataille. Pour une autre police avec l'autre monde qui croit dans le pays, croit dans le monde, qui a une importance, parce que je dis, il est clair pour nous toutes, c'est un coup chien qui a traité la population, et tout, qui a traité les policiers qui a boumé. D'accord. Merci un peu, Gary, pour message ça. Et puis, on peut profiter annoncer tout le monde. Alors, il y a un monde qui partage avec moi. Un individu qui prend photo, il mettait sur une page qu'elle créait, une page agence marketing qui est venue faire l'argent. Mon courant, oui. Ouais, donc moi même pas reconnaître ça. OK. Venue faire l'argent, moi ça le dit encore. Ou qu'a fait $25 chaque jour. Donc moi pas reconnaître lui, mais individu a prend photo, il mettait la donne. Bon nous oui, photopam. Oui, photopam. Oui. Mm-hmm. OK. Bon nous parler avec M. Manikel qui passait ouais nous là. Où t'es habité dans un nombre Cafoufeuille, non. Et bonjour. Moi m'étais Cafoufeuille sauf okay. Que zone côté m'rété en donc en Lipoko et Poko. On comprend. Attaqué. Mais sauf que papam c'est exactement côté bagarre là passé hein? Bon lui même il était gain temps descendre mais il aime passer puis mauvais journée dans vie guerrier et Jérôme Jean Marques et qui saute parler là monsieur c'est plus qu'un frère donc moi même l'aime ouais statut monsieur et puis m'a écrit ensemble avec monsieur dans téléphone m'a écrit ensemble avec un seul dans téléphone et monsieur a dit donc né yo dehors yo pas capable parler nous et puis finalement brusquement on pas capable joindre Marques dans téléphone on pas capable joindre et seul qui c'est Mara dans téléphone nous t'a écrit sur WhatsApp on pas capable joindre yo moi apprendre que donc yo mettez du fait donc en un caille qui collé avec yo mon cher yem passé pis mauvais journée dans vim et moun qui connaît niveau lien ensemble avec monsieur après lim a demandé qui ça Marques gagne photo Marques déjà sur tout temps réseau à tout monde gagne a dire pour comprendre et moun tout monde gagne a pédi adieu Marques tout bas sur réseau et puis gagne toute pression ça mon cher yem passé plus et puis mauvais journée dans vim et guerrier parce que et là me penser que et faut quelque part population prend responsabilité yo. Parce que là c'est pas démissionner l'état démissionner encore l'état li pratiquement pas exister parce que c'est pas pour date non et moun kafou feuille a pé relé a pé voyer alerte yo a lever voix yo pour mander l'état agir
Parce que moi grand pile monde qui pas comprendre et qui pas comprendre et ça qui a passé là. Jodi en guerrier si nèg ça a traversé Kafou feuille. Ou konn ça, ou konn résultat qui ça lié? Résultat c'est que pas gain pako encore. Si nèg yo traversé Kafou feuille, résultat pas gain débici encore. Si nèg yo traversé Kafou feuille, résultat pas gain canapé vert encore. Parce que nèg yo te fon coup de tête en l'air, donc moun yo te bataille ensemble avec yo. Mais si yo vin gen zone là, ça veut dire c'est base yo qui installé dans zone là, ça veut dire yo tout prêt ba là, yo camper là caillou, yo camper c'est bombarder zone là. Et là ça et moi gen des grandes entreprises tant kou nat comme Digicel, pas gen bagay ça yo encore. Sinon yo pral mette moun sa yo donc obligé donc rançonné yo, est-ce que vous comprenez? Donc moun yo vraiment pas connaît, m pense que l'état peut-être comme pas gen des moun senti tout qui a réfléchi vraiment donc dans l'état, mais m'a demandé est-ce que yo connaît à qui ça donc en pays a exposé. Et jodi a m'a dit guerrier ma qu'est-ce qui saute parler là, et s'il gen des moun qui fait des promesses peut-être nous pas connaît moun yo. Mais fait tout ça qui possible pour au moins donc à nous ta respecter donc à promesse donc au moins donc à nous faire yo, parce que c'est des série de moun pas éducation yo, même s'il y a mourir ou pas mandé, mais moun yo dans grande difficulté d'ailleurs, mais Dieu fait la caillou et moun yo dehors là yo pas connu qui côté donc yo apprend. Et en pile moun pendant m'a fini là et tout hier soir bon la caille la guerrier moun a déplacé, moun a dit comme ça yo pas connu qui côté yo praler, avait dit zone moun a sorti tout temps les a descendre, y a passé yo dit yo pas connu qui côté yo praler, moun dormi dans toute la rue, tout moun levé campé, ça fait toute l'autre zone dans Kafou fè là, même si rien pour ko rivé là, tout moun levé campé, tout moun dort et campé sous des pieds, moun pas dormi. Donc même pense que gagner madame qui ministre et de la justice là, et son monde guerrier connaît donc à société a quand même gagné un respect pour lui par rapport à Pakouli, par rapport à ça donc à lui représenter. Mais moi pense que dans moment là comme ministre en justice, et faut quelque part ou prend responsabilité ou DG la police là, France LB. Monsieur, messieurs, dames, faut que nous prenions responsabilité nous. Parce que nous pas qu'à quitter en bas jeune ou nous elle clair mettre la bandi a manger mon nos pays et puis nous camper avec denawe nous n'a regardé. C'est comme si ça pas dit rien du tout. Mais c'est faut quelque pas gon responsabilité qui prend, parce que si nous pas fait rien et m'a demandé puis devant qui ça nous pral diriger. Qui ça nous pral dit bon que nous ministre justice pays d'Haïti, mais pays d'Haïti pour qui pep? Pour qui pep? Parce que finalement bandi a mangé pratiquement tout le monde. C'est pas ti bagay qui passe hier là non. C'est pas ti bagay qui passe, en pile moun mouri oui. En pile moun prend balle oui. En pile moun dans la rue oui. Ou imagine l'on moun te gen vie kayli, li pat ganyen li te ka manje, pat ganyen li tap fè. Et puis kounye a pou me yo boule kayli, li pa gen ken kote li brale. Ou imagine nou ki sa moun sa pral fè. Donc mwen pense, et Jean wèm so di, mwen ou ka wè depuis kek tan guerrier, mwen même pa vraiment donc intervenu, pa vraiment parler. Mais mwen pense nou rive nan moment fòk kelke pa moun ki di yo c'est autorité dans pays an, moun chaque jour qui a mangé comme taxe comme et impôt donc en population an, et faut quelque part nous prend responsabilité nous, parce que m'pa quoi nous arriver non niveau sadique comme ça monsieur dame. Oui. Donc c'est trop sadique hein. Oui. Mais c'est un peu